Putain, mais c'est à ce moment-là qu'il y a un mec qui passe, quoi, sérieux. Ah, mais dis pas de bruit, Zolder. Et salut YouTube, je vous retrouve à Zolder en Belgique avec, avec les copains. Bonjour. Salut. On va passer une bonne journée, on a déjà fait la matinée, donc les repères reviennent. Je vous emmène avec moi comme d'habitude. C'est parti. Bien. Alors messieurs, ce matin. Oh, sec. Pour moi c'était sec. C'était sec. Non, nickel, on s'est bien amusé. C'était pas mal. On reprend un peu les repères. Il y a encore un petit peu à gagner, en tout cas cet après-midi ça devrait descendre. Allez, c'est parti pour un petit tour du circuit de Zolder. Donc Zolder, c'est en Flandre, partie flamande de la Belgique. Ancien circuit de Formule 1, donc 70-80. Donc vous allez voir, le tracé est quand même cool. Et puis en plus, resurfacé il n'y a pas très longtemps, donc intéressant. Boule ligne droite, freinage pour le gauche, un peu à l'aveugle, assez rapide. Difficile de prendre un repère pour le freinage à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va attaquer un grand droite, un triple droite qui n'en finit pas, entre guillemets, où je pense que je perds pas mal de temps parce qu'il faut vraiment essayer de garder l'angle de la vitesse et jouer sur l'accélération. On finit voilà par un petit freinage et puis le dernier droite qui commande une des plus grosses lignes droites du circuit. On va aller freiner ensuite pour la Kleine Chicken à la fin. Voilà, on arrive ici sur un point où on peut doubler encore assez facilement. Ici la chicane, faut en fait la couper vraiment, donc vraiment prendre le premier virage et le deuxième virage, il faut juste le couper. Et puis ensuite on a cette butte là où ça saute un peu, donc c'est à droite, ça saute un peu moins j'avais l'impression, donc je passais plutôt à droite. Et ici la deuxième chicane, où on peut vraiment monter sur les vibreurs ici, donc bien évidemment pas quand il pleut, mais ici quand il fait sec, il n'y a pas de problème. Donc droite, gauche, droite, on essaie d'accélérer assez tôt pour garder de la vitesse. Donc ici je suis un petit peu gêné, mais vraiment garder de la vitesse dans ce droite là. On peut raccélérer ensuite, donc faire attention ici de nouveau, ça saute un peu. Un recoup de gaz et on freine bien en ligne pour ce demi-tour là. Donc par contre je vais vous éviter les prononciations de nom de courbe en flamand, parce que là ça va juste être un massacre. Donc ensuite de nouveau une petite ligne droite qui nous emmène sur la chicane Jackie X. J'avais du mal aussi déjà à trouver le repère de freinage. Je l'ai pas trouvé on va dire sur la journée et avoir une belle trace sur cette chicane qui commande la ligne droite, c'est un peu dommage, je pense que je perds un peu de temps aussi ici. Et puis la ligne droite, donc voilà, le petit tour de circuit qui va bien. Et je vais vous laisser avec mon tour le plus rapide de la journée. Sympa, je pense que tout le monde nickel.
Nickel. Tout le monde a aimé. Ouais, ouais. Donc un petit chrono sympa, je pense que tout le monde est content de son petit chrono sympa à différents niveaux, mais voilà. En tout cas, c'était une bonne journée entre potes. Je pense qu'on a bien kiffé. J'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo. Merci. Comme d'habitude, avec les petits commentaires qui vont bien. Je crois que tout le monde a bien aimé la journée, on a eu du bol, tant au top. Et une bonne équipe. Vous avez le droit de dire autre chose que faire des signes de tête. Allez les gars, à la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.